Sergueï qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes. Ouais, aussi. Erzikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic. Elle a perdu un peu de temps, Florian. Ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Et ouais, c'est les trois favoris. Hein, ouais. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne vient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Florian donne tout ce qu'il a, mais malheureusement, ce sera suffisant. Se reposer, récupérer. Et tu vois que là, c'est peut-être le petit. Voilà, ce qui a fait la différence. Ouais, Marc Rakit va devoir bravo partager Jamel. L'appellation avec bravo Florian maintenant. Ah ouais. On dirait une dernière ligne droite à la Floriaillet. C'est énorme. Non, non, mais là, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Là, il faut qu'ils non, se calment. Non, Patrick, non, continue. Il faut continuer. Le feu d'artifice aujourd'hui. Oh là là. Deux courses, deux médailles d'or. Et regardez-moi.